Kaka commence à cantonner, à grand frère Kaka, faut m'excuser, mais c'est simple, il prend. Quand Yaka a commencé à cantonner là, qu'est-ce qu'il vendait? Médicaments de coco. Plusieurs personnes vendent médicaments de coco. Avec pommade sur Facebook. Il n'y a pas eu quelqu'un qui va dire créer ma marque de 21 et puis on va apporter. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire me lever aujourd'hui. Hey, j'ai créé un truc où les gens vont à part lui seul. Si on vient s'asseoir sur Facebook, il y a médicaments de coco, il y a pommade. Si tu vas avoir un bon teint, si tu vas avoir ceci, mais si on a un bon teint là, c'est quoi on va porter dessus? Si on a un bon teint là, c'est quoi on va porter dessus? Nous ne sommes pas prêts. On est prêts, nous ne sommes pas solidaires en Côte d'Ivoire. Voilà, on dit, il y a Jean, 80 000 au boulevard. Jean, 80 000. Pourtant, ce gars, pour tout à faire sauter les yeux, je ne suis pas sûr même que ça arrive à 80 000. Nous ne sommes pas prêts pour soutenir nos propres frères. On voit les trucs, les jackets. Ils ont pris bouteilles pour enlever ici pour que ça devienne un peu d'une manière là. Les jeans là, on perd jeans là. 15 000, 25 000, 30 000, 40 000. Jackets, tu ne peux pas payer. Souvent, il y a les jeans qu'on porte là. Il y a drapeau d'États-Unis derrière. La marque Tony. Tommy. N-O-E-T-O-M-Y, Tommy, la marque Tommy, c'est le nom de quelqu'un. La marque Tommy, là, c'est le nom de quelqu'un. Mais il y a plusieurs Ivoiriens qui ont porté Tommy ici. Plusieurs Ivoiriens qui ont porté Tommy ne sont pas prêts pour soutenir nos propres frères pour avancer. Ne sont pas prêts pour encourager quelqu'un. Ne sont pas prêts pour dire non, Apoutou, vraiment, là où tu t'en vas là. Nous tous, nous sommes derrière toi. Mais quand on vous parle, si aujourd'hui, on commence à faire guerre sur Facebook, entre Côte d'Ivoire, excusez-moi et les autres pays qui me suivent, entre Côte d'Ivoire, Mali, Côte d'Ivoire, Togo, Côte d'Ivoire, Guinée, Côte d'Ivoire, avec tous les pays africains, on va dire, nous là, on a un blogueur qui fait voir Apoutou National. C'est-à-dire, ça là, on sait qu'il nous représente. Il y a Apoutou National qui fait fort. Dans votre pays, là, vous avez qu'un blogueur qui peut faire 3000 personnes connectées, 4000 personnes connectées sur la table qui a très regardé. Ici, on parle de quoi? On parle de quelqu'un, on parle d'Apoutou. Tu n'as pas honte quand tu prends le nom de quelqu'un pour faire une fierté. Pourtant, cet nom-là, il a prêt pour faire sortir une marque. Tu n'es pas prêt pour payer la marque. Tu n'es pas prêt pour aller investir dedans, pour l'encourager. Tu n'es pas prêt pour dire, mon frère, je vais t'aider. Même si tu ne peux pas payer l'habit, il aura son chapeau. Il aura son t-shirt. C'est quand on ne porte pas ici. C'est quoi on ne porte pas? Ils ne sont pas prêts pour aider. Il ne faut rien voir que tu crées quelque chose, ça vient avancer. Son souhait là, c'est de te faire tomber. À quoi c'est que vous battez l'acclamer? À quoi c'est que vous l'acclamez sur Facebook? Donc il n'a qu'à rester là seulement dans les buzz, dans les clashs, et puis demain on dit ah, pour tout n'a rien là. C'est nous les mêmes là. Vous les mêmes qui partez commenter ces vidéos là. C'est vous les mêmes, vous allez dire que non, Apoutou est trop ça. Il est resté sur Facebook pour faire baisse jusqu'à aujourd'hui, il n'a rien. Vous les mêmes. Il y a des gens qui ne lisent pas les commentaires. Il y a des gens qui ne lisent pas les commentaires. Moi, quand j'ai fini une vidéo là, je peux prendre tout mon temps, je vais lire les commentaires un peu. Dieu merci, mais pour commentaire, il n'y a pas beaucoup. C'est